Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien salut tout le monde, c'est Mestomu 160. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour de nouvelles informations. Les leaders skills de Gogeta SSJ4 et de Omega Shenron Endurance sont sortis et sont confirmés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et vous dire quels sont leurs stats et quels sont leurs leader skills tout simplement. Donc on va commencer par Gogeta SSJ4, voilà celui auquel on était le plus en hype. Ki plus 3, attaque et défense. Et PV plus 150% sur la catégorie fusion. Donc voilà. Ou alors il y a un deuxième leader skill. Attaque et défense et PV plus 50% pour le type technique. Alors pourquoi le type technique? Sachant qu'on a déjà un petit Gotenks SSJ3. Si vous voulez partir vraiment avec une team monotech, vous partez avec Gotenks SSJ3 qui donne Ki plus 3, attaque et PV et défense plus 170%. Bon là il n'est pas Dokkan, mais il donne déjà ça en temps normal non Dokkan. Donc prenez déjà Gotenks si vous voulez partir en monotech. Donc voilà, si vous voulez partir avec une team monotech, à rigueur si vous voulez partir avec une team supertech, vous prenez le type, celui de Goku. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, ce passif, en face leader skill, n'était pas cool. Mais on s'intéressera plutôt au premier leader skill de Gogeta, qui est attaque et défense et PV plus 150% pour la catégorie fusion. Donc je vais vous dire ça, quelle est la catégorie fusion et pourquoi je suis très déçu de ce personnage de Gogeta. Voilà. Ah, donc voici la catégorie fusion. Sachant qu'il manque... Si vous avez bien regardé ma box, je vais vous faire un tour de ma box. Hein, on va enlever. Regardez bien le tour de ma box. Regardez bien en haut à gauche. Regardez bien le tour de ma box. Hein, je vous montre le tour de la box. Hein. Je vous mens pas. Voilà. Là, vous avez vu qu'il y avait un petit SVB. Voilà, donc c'est pas genre machin. Maintenant, regarde. Voilà ce qu'il y a comme catégorie fusion. Alors, je vous explique. Excusez-moi pour le ventilo. Si vous entendez un vous pendant 2-3 minutes, c'est normal. C'est le ventilo que je mettais. Donc voilà. Pour vous dire qu'il n'y a pas les fusions Potala. Il n'y aura que les fusions Metamol. Voilà, les fusions Metamol. C'est tout, point. Que, voilà, là, on les a classés par la catégorie de Gogeta. Donc, voilà, je vais vous montrer quelle est la catégorie et qui il y a comme personnage dedans. Donc, nous pouvons avoir le Gotenks qui fait un genre de dab, le Veku qu'on peut farmer SP10, le Gotenks Endurance que j'ai déjà. C'est pour ça aussi que je suis sur la version japonaise, hein, c'est pour ça que je suis pas juste sur la version globale, car les catégories nous montrent vraiment tous les personnages qu'on peut avoir dans cet aspect-là. Nous avons le gros Gotenks, nous avons le maigre Gotenks. Nous avons bien évidemment Gogeta puis, nous avons évidemment le Gotenks puissance, le Gotenks non Super Saiyan puissance, le Gotenks SJ3, les deux Gotenks qui peuvent se permettre de Dokkan avec Gotenks ou Trunks, le grand Gotenks qui nous ont offert, qui est sympathique, hein, qui il a la classe, nous avons le grand Gotenks de Dragon Ball Heroes en Super Saiyan, pareil la version Dokkan de celui-là. Du grand Gotenks Super Saiyan, c'est le grand Gotenks Super Saiyan 3. Donc si vous en avez deux, gardez les deux, hein, parce que si vous ne montez pas l'arbre, ne montez surtout pas l'arbre. Donc on va quand même mettre le petit chargeur. Donc voilà, mettez bien sûr l'arbre, ne mettez surtout pas l'arbre pour le Gotenks. Gardez un Gotenks grand pour qu'on puisse, si vous voulez vraiment faire une team fusion, vraiment, si vous voulez vraiment la faire. Donc du coup, on continue. Il y a Karoli. Alors, il y a les fusions de Dragon Ball Fusion. D'où le nom. Mais bon, voilà. Nous avons la fusion entre Tenshinhan et Yamcha. Nous avons le Frieza Couleur. La Videlpan. La Baruto. Le Shaoman. Le Brapan. Le Janemboo. Voilà, on a le Gogeta Int. Heureusement d'ailleurs. Nous avons le Gotenks SJ3 Endurance. Le Gotenks Super Saiyan. Voilà. Et bien évidemment, Gogeta SSJ4 qui est vraiment dans la base de données. Moi, on va pas dire qu'il est faux. Hein.
basta. Donc voilà, c'est franchement très déçu de ce Gogeta SSJ4 qu'on attendait énormément. Moi personnellement, je pensais pas que ça allait être un truc genre fusion. J'aurais pensé que ça aurait été un truc genre Team Super comme Vegeto Blue. Car on a eu ça pour les Gotières. Pourquoi pas pour les Neo Gotières, on aurait eu ça. Ça aurait été plutôt sympa. Mais après, ça aurait été redondant, je pense, aussi. Donc je comprends leur truc. Ils mettent des nouvelles catégories. Mais là, ça, ne pas mettre SV, SVB dans cette catégorie fusion. Non, je suis désolé, ça pue. Désolé, je suis désolé de dire ça comme ça, mais ça, c'est nul, c'est vraiment nul. Voilà, donc on va passer maintenant à Omega Shenron. Donc Omega Shenron qui donne qui plus 3 attaque et PV et défense plus 150% pour la catégorie Saga Dragon. Donc voilà, mais attention, c'est pour tous ceux qui sont apparus pour la première fois dans la Saga Dragon. Donc je vais vous montrer ça donc. Et ou alors il a le leader skill. PV, attaque et défense, plus 50% pour le type endurance. Vous prenez par exemple, pareil comme tout à l'heure, on va enlever la catégorie, tac. Vous prenez pareil, je l'ai, hein. Donc normalement, voilà. Vous prenez Broly endurance, si vous voulez faire une team mono endurance. Voilà. Vous partez avec qui plus 3, attaque et PV et défense, plus 70%. Vous partez avec Broly. Autant faire ça. Donc voilà. Et je vous le dis tout de suite, je préférerais mieux prendre une team avec Omega plutôt qu'avec Gogeta. Voilà, c'est plus simple. C'est plus simple pour tout le monde, pour les joueurs free to play et tout ça. Donc, on va prendre la catégorie de Omega Shenron, donc qui est la saga Dragon. Voilà. Voilà tous ceux qui sont présents dans la saga Dragon. Alors, vous allez me dire, mais il est où Goku? Parce que j'ai vu que t'avais Goku au début de la vidéo. Eh oui, Goku n'apparaît pas pour la première fois dans Goku. C'est vraiment les personnages qui apparaissent la première fois dans la saga Dragon, hein. Très bien. Donc c'est pour ça que Goku SSJ4 n'apparaît pas pour la première fois dans la saga Dragon. Il apparaît dans la saga Baby. Et donc du coup, il vient pas dans la saga Dragon. Et du coup, il n'est pas dans cette catégorie. Par contre, on a quand même Vegeta SSJ4. On est quand même bien. Il y a quand même Vegeta, on est quand même bien. Si vous voulez partir avec cette team, c'est quand même mieux conseillé. Donc, il y a qui dans cette catégorie? Nous avons Majoub. Alors que Majoub arrive dans la saga Baby. Je tiens à prévenir. Mais on n'a pas Goku. C'est pas grave. Nous avons le Super Saiyan Vegeta GT. Ok. Nous avons le Lee Shenron que j'ai aussi. Nous avons les deux dragons. Tous les dragons. Hein, les R et puis les deux SSR. Il y en a un qui est farmable gratuit 10. Et puis que vous pouvez mettre à 100%. Donc voilà, c'est le moment jamais maintenant. Hein. Et nous avons Toucheron, et Shisheron, il s'appelle, hein, normalement, il s'appelle comme ça, Omega Shenron Puissance, bien évidemment. Nous avons Vegeta SSJ4, nous avons la Pan que vous avez vu, il y a le Trunks GT aussi, et il y a Gogeta SSJ4, bordel. Donc déjà, vous partez, si vous voulez partir avec ce team, moi je conseille, partez avec ce team, parce que vous avez quand même Gogeta dedans, vous avez Vegeta, donc vous partez avec une team Vegeta et Gogeta SSJ4 dans un des tours, et dans l'autre tour, vous partez avec Omega Shenron Endurance et le Lee Shenron. Voilà, pour vous dire que cette team est largement mieux qu'une team Gogeta. Voilà. Vous avez aussi un nouveau Omega Shenron ou Lee Shenron. Hein. Je crois que la version SR c'est Lee Shenron et la version SSR c'est la version Omega. Voilà. Et on a un nouveau Goku SSJ3 Kid au départ qui est un Goku SSJ2. Donc, sympa, franchement sympa, on a un nouveau Goku et un nouveau Omega, ou Lee Shenron si vous préférez. Mais bon, voilà, franchement c'est plus simple de partir avec une team Omega, 100% double Omega. Voilà, bon, je sais pas, vous avez plus de personnages à prendre. Sérieusement, moi personnellement, je vous conseille d'invoquer sur Omega Shenron. Après, moi je mets pas d'argent, hein, donc je suis un joueur free to play. Mais j'ai quand même invoqué pour Gogeta parce que c'est la hype, parce qu'on kiffe Gogeta et c'est Gogeta SSJ4. Puis on l'attendait énormément. Donc voilà Goku, hein, pour prouver que j'ai Goku. Voilà. Très déçu de ces deux personnages. Enfin, de ce personnage Gogeta SSJ4, très déçu. Franchement, je suis assez dégoûté. Voilà. Donc vu que j'ai cette DS, on va faire un petit single pour vous faire plaisir. Donc on va faire un single sur le. Pas sur ce portal là parce que. Voilà, moi j'ai envie d'avoir Kyle ou Kamulika. Voilà.
juste parce que c'est des fans de Super Saiyan. Donc voilà, on va essayer de choper Kale ou K.O. les gars. C'est parti, 1, 2, 3 capsules. Ça part en Super Saiyan ou pas? Oui, Super Saiyan. Allez, une petite Kale ou une petite K.O. les gars, ça serait bien. Allez. Je te crois en toi. Oh non, Jakotek. À garder Jakotek, hein, c'est très bon. C'est un très bon personnage. Il permet de stun 100% tout le plateau. Donc c'est sympa. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros Mirai pouce bleu des familles. Je ne vous mets pas d'objectif pour cette vidéo. J'espère que vous allez vous péter la barre des pouces bleus. Et vous allez beaucoup partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Snapchat. Donc voilà, tout simplement. De toute façon, c'est marqué en haut tout mon Twitter et tout mon Facebook et mon Snapchat. Vous tapez juste Mestomi160, c'est pour ça que je l'ai relié à Mestomi160. Donc voilà. Mais tous les liens sont tous dans la description si vous voulez voir même mon pseudo Snapchat, bien évidemment. Et sur ce, bah, je vous dis pour les prochaines vidéos, pour le prochain, et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.